C'est Walpole, c'est ça? Walpole, d'où est-ce que tu tiens ça? C'est le bruit qui court. Le pirate le plus sale et le plus stupide à avoir jamais écumé les Caraïbes. Eh bien, quel que soit son nom, on est là pour le faire souffrir tant qu'il meurt pas. Ordre du gouverneur. On le ramènera à la nuit tombée. Et on lui masse les pieds s'il a mal, c'est ça? Bon sang. Allez, bande de petits marins de 1200, on se retrouve aujourd'hui sur Assassin's Creed. On n'a pas le droit à une belle pendaison depuis celle de Rackham. Je t'avertirai pas deux fois. Hé hey, je t'avertirai pas deux cette fois. Cage. Cool. Oh, un assassin, salut, sympa. Bonjour, capitaine Kenway. J'ai un présent pour toi. Mon habit? Oh non, je vais pas être tout nu. Enfin, à moitié. Ah si. Il est chargé, mais je n'ai pas de balles. Oui, est-ce que j'ai des succès à faire? Saboter les cloches d'alerte. Ok. Allez, viens par là, mon petit. Viens te faire buter. Là-bas, il ne s'entend pas. Donc toi, t'entends, mais alors vraiment rien. Voilà, première cloche sabotée. J'ai rien d'autre. Là-bas ils sont deux. Lui il me regarde, ouais. Ça va être dur. Si je leur tourne dessus, est-ce qu'il y en a pas? Non. You stop, prepare to bleed. Lui, il est mort. Lui aussi. Donne-moi ton arme. T'as genre j'ai plus d'armes. Help! The alarm's
Voilà. Merci. La prochaine fois que tu essayes d'allumer un truc comme ça, vérifie qu'il y a une cloche. Salut. T'as vu, tu as une cloche d'alerte là-bas? Nothing. Mais où est-il là? Damn. Nothing. Give over. Don't say a thing. Bon, tu vas jamais venir, hein? Salut les amis, c'était moi. You. Alarm! Help me, damn it! Intruder! I need some help here. Arrête un jour, arrêtez de venir vers moi pour allumer, pour déclencher de l'alarme, c'est très très bête. Et alors très très bête. Il m'en reste combien à saboter? 2 sur 3 d'ailleurs. On va essayer de le compléter à 100%, ça serait une des premières fois. N'essayez plus jamais d'allumer une alarme. He's off. Damn. What's gonna hold on? Come on, you won't lose us. They're already dead. Salut. Pas vous. Salut. À toi de mourir. Allez, 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 allez. C'est bon, t'es mort. Voilà. Là-bas, lui. Tu vas sûrement pas m'aider, toi, non? Non, t'es pas fait pour ça, t'es un assassin. Jamais aider les autres.
Stop. Stop the back. Oui, arrête de parler. Arrête. Hold you. La dernière cloche d'alarme est là-bas. Interloper, raise the alarm. Oh, ils sont trop bêtes, les autres. C'est bon, entre-deux de fini. Puis après, va falloir rendre visite à des anciens amis. Tu n'as absolument rien vu. Stop, I tell you. You're going nowhere. Shit! Alarm! Alarm! Il n'y a plus d'alarme. Ils peuvent rien faire, il n'y a plus d'alarme. Voilà, maintenant il va falloir rendre visite à d'anciennes connaissances. You there! Caraval, have your head! Salut! Salut. Alarm! Non, 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 non! Voilà, vous pourrez plus allumer elle non plus. Rendre visite à de vieilles connaissances. Est-ce qu'il y a d'autres portes? Salut. Salut, comment tu vas toi? Et toi maintenant? Oh. Est-ce qu'on peut ouvrir cette porte? Non. Salut mon ami. Je crois que t'es mort. Get him!
sac. Voilà, merci pour tes munitions. C'est moi. Oh, trop de classe les jumbos. Bon, c'est légèrement impossible de parler avec, mais bon. Ah si. Voilà. Stop you. Non. D'accord. Va se servir de elle. Dis-moi ça. Bon, ça c'est de l'entrée de la prison, d'accord, donc on peut forcément... D'accord, non. Ça c'est un de nos ennemis, on va en faire une vieille connaissance, je crois. Te voilà, Ven. J'avais entendu dire qu'on t'avait amené ici. J'ignorais que tu avais sombré si bas. Je vais te buter. Bonne chance, mon vieux. J'aurais aimé qu'on se quitte bons amis. Non. On va bien sûr vérifier toutes les cellules pour essayer de trouver la deuxième connaissance. Oui, j'arrive, mais faut aussi que je trouve mon ancienne connaissance, alors deux secondes, hein. Fallait que je retrouve des vieilles connaissances. J'en ai trouvé combien des vieilles connaissances là? Une. Se suspendre, lâcher. C'est bien avec E pour se suspendre, lâcher. Salut le pote. La mort. Bon, et puis zut, t'es nul, hein. Ça doit être là.
Bah non. Mais je cherche où est la deuxième vieille de connaissance. En fait, on va essayer de chercher un peu plus. Je trouve personne, hein. Il y a peut-être un deuxième chemin, mais alors je le vois pas du tout. Ou sinon, on trouvera après, hein. On va aller voir. Ouais, bon, bah là non plus, hein. J'arrive. Viens, appuie-toi sur moi. Je peux pas. Fouillez chaque cellule. C'est bien, continue. Tu vas t'en sortir. Enfin, on peut avancer un peu plus vite. Non mais t'arrêtes pas tous les 10 pas, je sais que tu viens d'avoir un enfant, mais quand même, je peux pas ça. Arrête. Arrête, par pitié. Je t'abandonnerai pas. Accroche-toi. Je suis sûr que tu es censé y avoir deux gens ici. Autre chose, je trouve deux vieilles connaissances. Elle est où la deuxième? Y'a personne ici! Je te laisse pas ici. Jamais de la vie. Repose-moi, Edward. Je crois qu'elle est morte. Bon, où est notre deuxième vieille connaissance? Parce que bon, faut que je la retrouve la deuxième aussi. Enfin, où est la deuxième vieille connaissance? Bah, je vois pas de vieille connaissance, hein, moi. Je vais pas non plus chercher une vieille connaissance à cette vitesse, hein, je peux... Bah, je peux tout regarder, déjà.
Alors oui, vous, un conseil. Ne jamais faire ça. Jamais. Et un conseil. Toi aussi en fait. Oui, je parlais à toi. Faut que je retrouve ma vieille connaissance de petite seconde. C'est presque forcément sur le chemin, non? C'est par là tout à l'heure, on aurait vu s'il y avait une vieille connaissance, hein, il y en a marre, on rentre. Je vais pas passer 3 heures à chercher, quelqu'un. Tuer tout le monde. Ah. La tenue des assassins. Est-ce que ce serait la fin du jeu? Ah. Bon bah j'ai pas trouvé le deuxième, hein. C'est pas grave. La deuxième vieille connaissance, je ne l'ai point trouvée. D'accord, donc maintenant t'es alcoolique avec une bouteille. Tu viens de perdre un proche. Je crois que t'es tombé. Je crois que ton sabre il passe à travers le plancher. Je crois que t'es bourré en plus. Ça va être facile de poursuivre quelqu'un comme ça, merci. Non mais t'es trop nul.
je ne comprends absolument plus rien. Et mon perso se déplace tout seul. Qu'est-ce qui se passe? T'es bourré, ça je sais, mais Justice est arrivé en genre. Que va-t-il se passer? Volant le pré d'un pâtre, déploya ses puissantes ailes et s'empara d'un pauvre agneau pour l'emporter jusqu'à son maire. Volant non loin de là, un jackdaw assista à la scène et se persuada que lui aussi disposait d'une telle force et d'une telle adresse. Alors, dans un grand mouvement d'ailes et de plumes, le jackdaw fondit sur un imposant bélier et planta ses ailes. J'ai tué un assassin. Mais lorsqu'il tenta de s'envoler, il comprit que lui. Ni sa force. Non. De mener à bien cet exploit. Faire avoir à chaque fois ou quoi. Redoublait d'efforts, le bélier lui ignorait encore sa présence. Non loin de là, de l'autre côté du pré, le pâtre sourit en voyant le pauvre oiseau se démener. Il courut jusqu'au jackdaw, captura et lui sectionna les ailes. Le soir venu, il offrit un dessin de ses enfants. Quel étrange petit oiseau, père, crie-t-il en riant avant de monter. Pas plus de 2 ans, tu me l'avais promis. Tu es parti quand j'avais le plus besoin de toi. Mais tu m'avais, moi. Pourquoi tu ne rentres pas? Je ne te rends pas heureux. J'y suis presque, Caroline. Je t'en prie, il faut que j'y arrive. C'est toi mon nouvel objectif, en fait. Wow, tu fais et motivé par le défi, Edward. Ce n'est pas le dépit qui m'anime, Marie. C'est le courage. Le courage de faire quoi? Tous ceux qui comptaient dans ta vie ont disparu. C'est Marie maintenant, d'accord. Allez tous au diable. Je peux y arriver. Tu es une brute. Tu détruis tout alors que tu pourrais construire. Devenir quelqu'un, être fier de ce que tu fais. Laissez-moi tranquille. Tu dois changer, Edward. Tu dois changer de vie avant qu'il soit trop tard. Pourquoi j'étais tout seul sur mon bateau, en genre? Je ne comprends absolument plus rien. Je peux plus rien faire. Pourquoi vous m'avez laissé ça là? D'accord, je ne comprends toujours absolument plus rien. Et donc du coup, on va se dire à la prochaine pour un autre épisode sur Assassin's Creed 4. Allez, bye!